Yo les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc là c'est parti pour faire les défis 14 jours d'été. Pour débloquer la spatule et la fourchette, il faut tirer les feux d'artifice trouvés le long de la rivière. Donc comme vous pouvez voir, le premier feu d'artifice se trouve au niveau de Lazy Lygon, tout en haut au niveau des trois petits canoës. Le premier se trouve sur le sable. Le deuxième feu d'artifice se trouve au niveau de Lazy Lygon, juste en dessous, là où il y a la cascade. Ensuite, vous avez juste à suivre la rivière. Et le troisième feu d'artifice se trouve au niveau de Loot Lake sur la droite. Après, on arrive au côté de Neo Tilted, là où il y a le quatrième feu d'artifice qui se trouve tout en haut de la rivière. Pareil, là où il y a une cascade. Ensuite, on arrive sur le cinquième feu d'artifice qui se trouve au niveau de Shifty Shaft, juste un peu au-dessus, entre Shifty Shaft et Neo Tilted, là où j'ai mis mon marqueur. Il y a le cinquième feu d'artifice. Et après on va arriver au sixième feu d'artifice qui se trouve du côté de la neige et qui se trouve tout en dessous de Shifty Shaft, pareil le long de la rivière, là où je vais mettre mon marqueur. Le feu d'artifice numéro 6 se trouve là. En tout cas, si la vidéo vous a plu aider, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Je remercie tous ceux qui y penseront et qui le feront. Franchement, un gros GG à vous, un gros merci pour le soutien, ça fait super plaisir. Et je le dis pas assez souvent, mais pensez à vous abonner, ça serait super cool de votre part. Et puis aussi, surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications des dernières nouveautés. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Allez, salut, portez-vous bien, ciao.